On est ici sur la butte d'Orgemont. On est donc sur la proue en fait, d'un grand vaisseau qui s'appelle la butte de Cormeil ou la butte du Parisis. Pourquoi on est là? C'est parce que d'abord c'est un endroit magique. C'est vraiment un endroit où on ressent le paysage, on ressent la manière dont cette agglomération, cette métropole s'est étendue en dehors de son site initial de Paris, dans ce site assez extraordinaire en fait, du cœur de l'Île-de-France. On voit là qu'on est dans un bassin. Et c'est assez rare en fait des métropoles comme ça où on peut presque appréhender l'entièreté de la métropole d'un seul point. Vous voyez derrière moi la Défense, vous voyez la Tour Eiffel, vous voyez la Basilique de Montmartre et vous avez tout le site en fait des quatre plateaux étagés de l'Île-de-France qui s'exprime sous vos yeux. Donc vraiment on est au cœur du système. Bien sûr, on a vu qu'on était dans cette fragmentation sociale, institutionnelle, physique, urbaine du territoire. On voit bien sûr la Seine qui est un espace de valorisation autant que de séparation. Mais on voit aussi l'autoroute A15 et puis d'autres infrastructures que vous devinez dans le lointain qui sont des espaces de morcellement du territoire.